On a le plaisir de vous retrouver après 4 ans d'absence, 2 ans de Covid. On est très heureux de renouer avec ce motocross. Donc aujourd'hui, on accueille le championnat de France féminin entre 30 et 35 filles. Donc avec une piste qui est super bien préparée après tout ce qu'on a pu entendre ce matin. Donc on est content du travail fourni. Donc là, au niveau du championnat de France, on a en tête la championne de France, Amandine Verstappen, qui a signé un bon chrono ce matin. Avec Jessie Joanneau qui s'est blessée chez nous, c'est une locale de l'étape, donc qui était vice-championne de France l'année dernière. La journée, pour le moment, on a fait les essais libres et les essais chronos, ça s'est bien passé. Je réalise la pole, donc c'est pas trop mal. Après, on sait que les manches, c'est pas les chronos. L'objectif de la journée, c'est de déjà gagner la première manche, et si je la gagne, gagner la deuxième. Mais d'abord, on va se concentrer sur la première manche, puis on verra pour la deuxième manche, quoi. Le terrain, j'étais jamais venue ici. Franchement, pas mal. Je connaissais pas du tout, mais c'est vraiment top, je me régale. Il y a des bonnes ornières, le club a bien préparé le terrain, donc c'est vraiment top. Franchement, un grand bravo au club déjà pour ça. Je suis venu voir mes idoles et pour passer une bonne journée avec les copains, aller au bar et puis voilà. Je suis fan de moto aussi et puis acheter quelques tenues pour la moto. Voilà. Je reviens de blessure, donc on est dans le team New Bike avec Amandine Verstappen et Léa Chaput. Je reviens aujourd'hui d'une fracture du radius cubitus. Alors je vais rouler aujourd'hui, mais ça va être compliqué, je viens de reprendre. Donc pas vraiment d'ambition parce que la douleur elle est présente, on va essayer de faire les manches, des bons départs et un top 3 ce serait top pour le team.